soit A et B, des réels positifs tels que A soit plus grand ou égal à B et que B soit strictement positif. Démontre que la différence entre leur moyenne arithmétique et leur moyenne géométrique admet la borne inférieure et la borne supérieure suivante. Ça, c'est la moyenne arithmétique des deux nombres A et B. Ça, c'est la moyenne géométrique des deux nombres A et B. Cette fraction-là, c'est la borne inférieure et cette fraction-là, c'est la borne supérieure. On nous demande donc de démontrer cette double inégalité, sachant que A est plus grand ou égal à B et que B est strictement plus grand que 0. Observons d'abord cette différence au milieu. A plus B sur 2 moins la racine carrée de A fois B peut s'écrire un peu autrement en réduisant les deux fractions au même dénominateur 2. Ainsi, nous voyons que le numérateur peut aussi s'écrire sous forme racine carrée de A moins racine carrée de B au carré. Ça, c'est possible parce que A et B sont des nombres positifs. Pour démontrer cette double inégalité, on peut démontrer les deux inégalités à part. Commençons par cette première. Cette première inégalité est vraie si et seulement si cette inégalité-là est vraie. Pour passer de là à là, on a simplement remplacé cette différence par cette fraction et on peut, puisque c'est la même chose. Maintenant, on peut multiplier des deux côtés par 2. Alors ici, il reste 1 et ici, il reste 4a. Ce 4a, on le met de l'autre côté du signe d'inégalité où il va alors multiplier. Et puisque 4a est strictement positif, le sens de l'inégalité reste. Ainsi, nous obtenons cette inégalité-là. Ensuite, faisons passer le 4a entre ces parenthèses-là. Et vu que les parenthèses sont élevées au carré, le 4a y devient 2 fois la racine carrée de a, donc comme ceci. Maintenant, nous distribuons 2 racines de a sur cette différence. Ça fera donc 2 fois a moins 2 fois la racine carrée de a fois b. Et puisque les deux bases des carrés sont des nombres positifs, vu ces conditions de départ, nous pouvons enlever les carrés. Et ainsi, ça nous amène sur cette inégalité-là. Ce a, on le met de l'autre côté. 2a moins a, ça fait a. Moins b mis de l'autre côté, ça devient plus b. Ainsi, nous obtenons 0 est plus petit ou égal à a plus b moins 2 fois la racine carrée de a fois b. Et cette somme, c'est justement le carré de cette différence. Donc, ainsi, nous avons obtenu que l'inégalité est vraie si et seulement si le carré de ce nombre réel est plus grand ou égal à 0. Or, le carré de n'importe quel nombre réel est plus grand ou égal à 0. Autrement dit, cette inégalité est correcte. De façon tout à fait analogue, nous allons démontrer la deuxième inégalité. Cette deuxième inégalité est vraie si et seulement si cette inégalité-là est vraie. De nouveau, nous avons remplacé cette différence par cette fraction. C'est fait. On multiplie des deux côtés par 2. Ainsi, là, il reste 1 et là, il reste le nombre strictement positif 4b que nous mettons de l'autre côté du signe d'inégalité où il va multiplier. Et vu qu'il est strictement positif, le signe de l'inégalité reste. Ainsi, nous obtenons cette inégalité-là. Nous faisons passer le 4b entre ces parenthèses qui sont pourvues du carré. Donc, le 4b devient entre ces parenthèses 2 fois la racine carrée de b, comme ceci. Ce 2 racine de b, on le distribue sur ces parenthèses, ce qui va donner 2 fois la racine de AB moins 2 fois B. Et comme la base à gauche est un nombre positif et celle à droite également,
vu les conditions de départ, nous pouvons enlever les deux carrés. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous faisons passer tout dans le deuxième membre de cette inégalité et nous obtenons ainsi que 0 est plus petit ou égal à A moins B plus 2B, ça fait plus B. Et ce 2 racine carrée de A fois B passe de l'autre côté et il devient moins 2 racine carrée de A fois B. Et là, de nouveau, nous voyons le carré de cette différence. Donc, cette inégalité est vraie si et seulement si le carré de ce nombre réel est plus grand ou égal à 0. Et ça, c'est toujours le cas. Donc, nous avons bien démontré les deux inégalités. Et l'exercice est terminé.